Shalom et bienvenue à Bethaniel, où est-ce que nous voulons toujours glorifier le nom de notre Dieu et toujours chercher sa volonté à travers la parole, les prières. Et je suis très content au sujet de l'étude d'aujourd'hui parce qu'on va regarder la sainteté de Dieu, son kadosh ou son kavod, sa sainteté et sa gloire à travers laquelle il se manifeste. Un à l'autre, on voit que l'essence du Seigneur est constamment à travers les histoires, les événements que nous voyons à travers les pages de notre Bible. Nous voyons les choses se passer aussi dans le monde. Et cette section du livre va nous amener encore plus près de le connaître et de découvrir des choses à son sujet. Maintenant, si nous allons voir dans les nouvelles de notre monde au Moyen-Orient, où est-ce que les choses continuent d'avancer de plus en plus vers la fin des temps, et on voit que, par exemple, en Israël, le ministre des Finances, Lieberman, M. Lieberman, a dit que c'est seulement une question de temps avec la confrontation avec l'Iran, et pas un long moment de temps. Et comme Lieberman l'a dit, la guerre avec l'Iran s'approche de plus en plus. Et pourquoi que cette phrase viendrait d'un ministre des Finances? Bien, voyez-vous, ça coûte beaucoup d'argent de faire la guerre. Le 19 octobre, il a dit à la Knesset, qui est le Parlement là-bas, il a approuvé un budget de 1,5 milliard pour potentiellement une attaque contre l'Iran, parce que le chef militaire, M. Aviv Kohavi, a ordonné que la force aérienne se pratique et fasse des essais afin d'être prêt peut-être pour une attaque contre l'Iran. Et l'Iran a toujours dit ouvertement qu'ils veulent annihiler complètement Israël. Et donc, en réponse à cette menace, Israël propose de faire une attaque contre l'Iran pour les empêcher d'avoir l'arme nucléaire. Mais l'Iran aussi se prépare, on dirait, dans leur pays. Même si nous ne savons pas tout ce qu'ils font, nous voyons qu'il y a des exercices dans l'aviation là-bas et par rapport à des armes très sérieuses. Ils ont utilisé des drones, etc., des missiles guidés par le laser. Mais Israël n'est pas seul. Sept nations aussi font des exercices avec Israël. L'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France, les Indes, la Grèce et bien sûr les États-Unis. Ils disent que ça pourrait être la plus grande guerre qu'ils pourraient avoir, mais c'est pas une guerre ordinaire. On sait que la Bible nous a déjà prophétisé il y a plus de 2500 ans au sujet de la guerre de Gog et de Magog, celle qui va probablement déclencher la grande guerre finale d'Armageddon. Et on voit que tout ça est pour nous un sujet de prière et de voir, parce que Dieu, son timing, sa façon de faire est parfaite, et donc quand ce sera le moment, Dieu agira. Et nous voyons que dans ces textes-là, au sujet de la guerre de Gog et Magog, nous voyons ça dans les textes d'Ézéchiel 38 et 39. Et dans ce texte-là, on voit le nom de l'Iran qui est très bien mentionné. Il y a dans les années, en fait, en l'année 1932, la Perse, qui est dans le texte d'Ézéchiel 38, a changé leur nom pour l'Iran. Alors, pourquoi c'est si facile de voir le nom de l'Iran, alors que les autres pays, c'est pas très certain qui ils sont et où ils sont? Bien, parce que probablement Dieu a voulu que nous sachions de façon certaine que l'Iran, qui est tellement ouvertement anti-Israël, soit mentionné. Pourtant, l'Iran, c'est derrière ce que l'Iran veut faire contre Israël, nous savons que derrière ça, il y a vraiment une influence démoniaque. Parce que l'Iran, dans le fond, est 79 fois plus gros qu'Israël, et beaucoup plus grand, et ils veulent quand même attaquer. Mais nous savons que Dieu est en contrôle de tout. Et avant que nous allions étudier le livre du Lévitique, nous allons prier pour nos enfants. Alors, si vous avez des enfants près de vous, s'il vous plaît, vous pouvez les amener près de vous et prions ensemble pour nos enfants. Thank you.
Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 10 du livre du Lévitique. Il y a deux éléments principaux que nous allons apprendre au sujet de comment agir envers le Seigneur, ce que nous pouvons faire et comment nous devons le faire pour lui. Dans les événements qu'on a vus au sujet des quatre enfants d'Aaron, les quatre sacrificateurs, on a vu autant la colère de Dieu que sa grande grâce, son pardon. Parce que les premiers deux sacrificateurs, les deux fils aînés d'Aaron, Nadab et Abihu, ont été tués directement du feu du Seigneur parce qu'ils avaient amené ce que la Bible appelle un feu étranger à la place où Dieu avait dit d'amener le feu de Dieu, ou plutôt l'offrande de Dieu. Donc cet acte reflétait la condition de leur cœur. L'autre père de fils, dans le fond les deux sacrificateurs, hein, les deux fils les plus jeunes de Aaron, Éléazar et Ithamar, eux aussi ont fait une erreur assez grave dans leur offrande, mais eux n'ont pas été détruits par le feu parce que on voit que Dieu probablement a vu leur cœur et savait que leur cœur était sincère. Et donc, il a pas tenu compte de leur erreur. Ils n'ont pas fait mourir, mais il a enseigné quelque chose à ce sujet. Et on voit dans le chapitre 19 de Lévitique, verset 3, en fait pas 19, le chapitre 10. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » C'est ce que le Seigneur demande de ses serviteurs qui s'approchent de lui. En fait, c'est la vie quotidienne de tous les croyants aujourd'hui, non seulement parce que nous sommes appelés nous-mêmes des sacrificateurs, mais parce que nous prions, nous parlons à Dieu chaque jour et on s'approche de lui. Donc, on ne peut pas s'approcher de n'importe quelle façon. En hébreu, le mot « s'approcher de lui », c'est le mot « karob », qui veut dire de quelque chose d'intime, d'un rapprochement, même une affinité très proche. En araméen, ce mot est devenu pour décrire un membre de la famille. Donc, on voit que nous sommes d'une famille proche pour le Seigneur. Nous sommes ses enfants, la Bible nous dit. Qu'est-ce qui nous est demandé d'agir envers le Seigneur? Le Seigneur, ici, nous parle de deux choses dans ce texte, sa sainteté et sa gloire. Donc, nous devons refléter les deux dans notre vie. Comment on va pouvoir faire ça? Qu'est-ce que est la sainteté de Dieu et qu'est-ce qu'est sa gloire? Vous savez, la sainteté peut être, on dit souvent que c'est un attribut de Dieu, mais c'est plus que ça. La sainteté définit l'essence même de Dieu. C'est à partir de sa sainteté que tous ses attributs découlent, comme les six couleurs de base, orange, jaune, bleu, etc., rouge. Ça devient quoi? Ça devient la couleur blanche. Ça devient le blanc. Et on voit que c'est une image de la gloire de Dieu. De sa sainteté découle sa gloire. Et la gloire est visible et c'est tangible. C'est la partie tangible et visible de la sainteté de Dieu. Le mot sainteté, c'est le mot kadosh, comme on chante parfois ici, et ça parle de ce qui est sacré, ce qui est séparé, ce qui est pur, exactement comme est le Seigneur. Alors que sa gloire, c'est un mot qui ressemble, c'est le mot kavod, parle de ce qui est très riche et honorable, comme par exemple les manifestations de Dieu. Vous savez, il a été dit que la sainteté de Dieu, c'est sa gloire cachée, couverte, mais sa gloire est sa sainteté révélée. C'est ce que, de cette façon que Moïse a résumé, que c'est la façon que Dieu désire que nous travaillons pour lui.
nous avons à traiter Dieu comme étant saint, très saint, et de refléter sa gloire, sa sainteté aux autres, malgré que nous sommes imparfaits. Dieu nous demande de le faire. Et nous savons que dans le texte d'Ésaïe 6:3, les anges disent « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Donc, on voit ici et sa sainteté et sa gloire révélée, parce que on parle de son être trois fois, comme parler de la Trinité, à travers le Père, à travers le Fils, qui est le Fils de l'homme, et le Fils de Dieu, et à travers le Saint-Esprit, le roi HaKodesh. Mais qui sont ces anges que Ésaïe a vus? Ce sont des séraphim, des séraphins, ce qui vient du mot saraf, qui veut dire de brûler. Donc c'est ça, c'est des anges qui brûlaient dans la sainteté et louaient la sainteté de Dieu. Et quelle est la grande révélation de la sainteté de Dieu pour nous? Bien, c'est en Jésus, Jésus le Messie. La façon que nous traitons le Seigneur comme étant la sainteté et de déclarer sa gloire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en pratique pour nous? C'est de parler de Jésus, ce que nous déclarons à ce moment-là, la sainteté de Dieu. Voyez le texte de Jean 1,14 qui nous montre qui était Jésus dans sa présence. Jean nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on voit ici dans le verset 1 qu'il a habité parmi nous. Donc ça vient du mot, on l'a vu dans les études précédentes, du mot hébreu Mishkan, qui a été traduit en grec skeno, qui veut dire qu'il habite, c'est comme si le tabernacle est là. Et parmi nous, et en fait, nous savons que nous, les croyants, nous avons le temple de Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit. Donc, on voit que dans les derniers jours, comme dans le livre des Hébreux nous dit qu'il est venu en chair et il a révélé sa gloire, la gloire de Dieu, qu'il est venu de Dieu. Jésus lui-même a dit clairement, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Jean 14:9, il a dit aussi, Jean 10:20, « Moi et le Père, nous sommes un. » On pourrait traduire « nous sommes un seul ». Erad, on voit en hébreu aussi. Il est un avec Dieu. Hébreu 1:3 nous dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte exacte de sa personne. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot « reflet » C'est un mot exclusif à la Bible, et il n'y a pas de surprise à ça, parce que Jésus est un être exclusif, un être unique. Mais ce mot ne veut pas dire que Jésus est un simple reflet de Dieu. C'est plus profond que ça, ça veut dire que lui-même est la source de lumière. Il y a un monsieur, un croyant du deuxième siècle qui s'appelait Lactance, qui était connu pour s'opposer au polythéisme, qui veut dire d'avoir plusieurs dieux. Il a bien décrit cette forme. Il nous a dit que ce reflet, c'est comme un rayon qui vient du soleil. C'est pas un reflet du soleil, c'est un rayon qui vient du soleil. Donc, c'est une partie du soleil lui-même qui est venu sur cette terre. Donc, c'est une belle image de qui est Jésus. Il est venu de Dieu sur cette terre pour payer pour nos péchés, pour nous donner l'offre, l'invitation de la vie éternelle. Et donc on voit ce que c'est ce que Moïse nous parlait. Mais si on pense pas correctement à la sainteté de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on va manquer, beaucoup de bénédictions qu'on va manquer également. C'est la loi est faite pour nous entraîner à voir la sainteté de Dieu, pour comprendre comment Dieu a demandé de l'approcher. Chapitre 10, verset 10, va nous montrer un peu ce que nous voulons dire par là, comment nous devons nous approcher de Dieu, comment nous devons agir dans notre vie de chaque jour. Verset 10, « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » Donc, dans ces deux phrases, dans ces deux genres de mots-là, on voit ce qui est saint et profane, et pur et impur. Donc, il y a comme une opposition entre les deux et une différence. On va commencer par le mot profane. En hébreu, c'est le mot hol. Ça décrit ce qui est commun, mondain ou ordinaire. Ça réfère à quelque chose que Jésus n'est tellement pas ordinaire et mondain et commun. C'est pas quelque chose de Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire.
Mais le mot « chol » n'est pas nécessairement le mal non plus, parce que ce mot « chol » a été utilisé par le prophète Ézéchiel lorsqu'il parlait au sujet de la Jérusalem dans le temps messianique pour différencier la place du temple de la place où la population ordinaire vivait. Donc, ce mot-là, « chol », quand il est utilisé dans la loi, c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'adoration. Donc, c'est quelque chose d'ordinaire qui est à côté de l'adoration comme telle. Donc, dans ce mot, on peut voir la différence entre ce qui est sacré et ce qui est mondain. Et on voit plusieurs versets dans la Bible qui nous amènent à voir vraiment la différence et à appliquer ça dans notre vie. C'est pas la même chose. Et maintenant, le deuxième groupe de mots, pur et impur, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on parle, nous, de propre, on pense de pur et impur. Et quand on parle d'impur, on pense à quelque chose de sale. Mais les mots ici vont bien au-delà de ça. Le mot pur en hébreu, c'est le mot taher, qui veut dire d'être pur de façon cérémonielle, de façon lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu. Quand quelqu'un est pur, ça veut dire qu'il est séparé, qu'il n'est pas mélangé, qu'il n'est pas double, comme nous dit la Bible. Impur, en hébreu, c'est le mot tamer, veut dire quelque chose qui a été pollué, qui a été contaminé. Donc, il ne peut pas travailler pour Dieu, que Dieu ne peut pas accepter. Donc, c'est la même idée pour le mot profane. Et on voit que ça montre l'individu dans le monde présentement, dans ce monde, comment nous devons, tout en étant dans le monde, Jésus nous a dit qu'il ne nous enlevait pas du monde, mais que nous devons être quand même différents du monde, pour pouvoir justement refléter sa gloire et sa sainteté. Et vous savez, au début de la création, dans Genèse 1:4, il est dit que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Il n'a pas enlevé les ténèbres complètement, pas encore. Mais il veut que l'homme vive dans le milieu, au milieu des deux, dans le fond. Les autres lois qu'ils nous ont données, ils ont donné à Israël, spécifiquement dans les lois de sacrificateurs qui commencent justement dans notre texte au Lévitique 11, et pour nous montrer de faire une distinction entre le monde, les ténèbres et la lumière et de la vie avec Dieu. Dans Actes 26:18, Paul a dit afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, il n'y a pas une troisième voie, c'est un ou l'autre. On est dans un endroit ou dans un autre. Il n'y a pas de quelque chose dans le milieu. Même si nous sommes, on peut être en processus de se réfléchir, mais dans le fond, on est dans un camp ou dans l'autre. On n'est pas derrière les deux en même temps. Donc, il y a un verset facile à se rappeler, c'est Lévitique 10:10 qui nous parle de pur et impur et saint et non saint. Donc, c'est facile à se rappeler quand on est en train de se demander est-ce que c'est correct ou non. On peut regarder ce texte-là pour voir vraiment l'importance de se garder pur pour le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui peut nous rappeler justement comment agir en face de ce que Dieu nous demande d'agir dans ce monde. Maintenant, on va regarder le texte de Lévitique 11, et on pourrait dire que c'est là que le fun commence. En fait, on va voir ça. Les lois que nous allons voir, c'est pas toujours très absolument clair parfaitement, mais il y a quelque chose vraiment, même si c'est pas très clair, à retirer là-dedans. Donc, on va aller plus loin. Quand la parole de Dieu est pas clair, faut aller plus loin, plus profond, faut aller étudier pour voir comment appliquer ça, ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. Vous savez qu'on entend ça chez les Juifs surtout. Qu'est-ce qui est cachère ou cochère? On ne sait pas exactement quel mot employer, mais le mot cochère est dérivé d'un mot en hébreu qui est cachère, qui veut dire pur, propre. Comme par exemple dans Esther 8:5 qui était traduit quelque chose qui est convenable. Qu'est-ce qui est convenable? Comment on doit agir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment plaire à Dieu?
Pour ce qui est de la nourriture cochère, si on va dans Montréal, par exemple, dans un IGA ou un Provigo, ils ont de la nourriture cochère dans une section. Où est-ce qu'ils vendent ça? Vous allez voir le signe MK dessus pour Montreal Kosher. Ça veut dire que c'est de la viande qui a été traitée de façon cochère. Dans les maisons juives orthodoxes, la nourriture qu'on mange est toujours très très checkée. On vérifie vraiment comment ça s'est fait. Et il faut toujours que cet animal soit tué par un instrument qu'on appelle le sochet, le rochet, et que les chefs religieux ont certifié qu'il était correct. En fait, le sochet, c'est un couteau dont la lame est la plus aiguisée possible afin que l'animal souffre le moins possible. Et aussitôt que le sang est sorti, on le laisse tomber sur la terre. Et pour être sûr que le sang est complètement enlevé de la viande, ils le font mariner dans une eau salée pour purifier cette viande. Nous allons lire Lévitique 3:17 maintenant, ce que Dieu a dit à ce sujet. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Mais quels sont les animaux qu'on peut manger et quels sont les animaux qu'on ne peut pas manger? C'est ce que Lévitique 11 va nous apprendre. Et on voit ici que il est écrit dans 11, chapitre 11, verset 1 et 2, « Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. » C'est la première fois ici dans le Lévitique que Dieu et Aaron, Dieu leur parle aux deux. Avant, il parlait juste à Moïse. Ensuite, lorsqu'il y a eu la mort de ses fils, il a parlé à Aaron tout seul. Et là, maintenant, il parle aux deux pour montrer toute la façon d'agir au niveau de quoi manger, quoi pas manger. Donc, on voit que dans le chapitre 11, le monde animal est séparé dans cinq divisions. Les quadrupèdes, les poissons, les oiseaux et les insectes qui volent et ceux qui marchent sur la terre. Et ces descriptions prennent 47 versets avec plusieurs répétitions. Donc, on voit aussi pas seulement la nourriture, mais ça part du bois, ça part du cuir ou du vêtement aussi et qu'on porte, et aussi les choses pures et impures pour l'adoration et pour s'approcher de Dieu. Rappelons-nous que la Bible dit que chaque parole de Dieu dans la Bible est inspirée, même Lévitique 11. Donc, on doit vraiment regarder, essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui. Premièrement, on peut regarder, lorsqu'on lit ça la première fois, c'est difficile à travers ces 47 versets de comprendre, mais lorsqu'on étudie et lorsqu'on lit, quand on comprend, on s'aperçoit que c'est une grande, grande bénédiction. Bon, commençons par la nourriture. La première question est pourquoi les Israélites étaient permis de manger juste certains animaux et pas d'autres? La raison derrière ces lois, ça nous a pas été dit. On nous le dit pas. Vraiment. Mais si vous dites, ben c'est à cause de l'hygiène, à cause de la santé, bon, bonne chance à vous, vous êtes dans la majorité. Mais n'oubliez pas que la majorité n'a pas toujours raison. On devrait savoir ça parce que nous savons que les croyants, nous sommes seulement une minorité dans ce monde. Le monde en général ne croit pas en Jésus. Donc, voyez-vous, ce n'est pas une preuve que la majorité est toujours a toujours raison. La raison derrière l'idée de l'hygiène, c'est assez récent, ça vient d'un rabbin, Maimonides, dans le 12e siècle, qui était aussi un docteur. Donc, il est arrivé avec une liste de maladies qui étaient causées par des animaux non cochères. Mais un autre rabbin, dans le 15e siècle, Isaac Arbanel, on en parle souvent, il a dit ceci. Il a dit, d'abord, pourquoi est-il défendu de manger ces animaux? Ça ne peut pas être pour des raisons de santé, puisque nous voyons tous les autres peuples en manger sans que leur santé soit nécessairement à risque. En plus, certains animaux qui sont venimeux à manger ne sont même pas dans la liste. Il y a raison.
Voyez-vous, si on regarde juste les Olympiques, si la majorité avait raison, les Juifs, donc, devraient être plus forts et en meilleure santé, donc ils devraient gagner toutes les Olympiques. Et on voit bien que c'est pas le cas. Donc, on voit que c'est pas à cause que... c'est pas une question d'hygiène. Et bien sûr qu'il y a certaines maladies qui sont à cause des animaux impurs, mais il y en a d'autres aussi, des maladies qui sont à cause des animaux purs. Donc, on n'en sort pas. Parce qu'il y a des animaux, comme par exemple le poulet ou d'autres, que ça dépend si ça a été cuit comme faut ou qu'on n'a pas laissé sur le comptoir. Mais c'est un animal au départ correct. Donc, on voit que juste avec cette idée-là, ça n'amène pas vraiment la solution à tout ça. Par exemple, le lapin qui a été mentionné au verset 6, peut-être c'est pas le même lapin qu'on avait aujourd'hui, parce que aujourd'hui, le lapin que nous connaissons de nos jours ne rumine pas. Mais si on regarde aussi, c'est à peu près 40% des oiseaux qui sont mentionnés. On ne peut pas savoir aujourd'hui quels étaient ces oiseaux-là selon la langue hébraïque du temps. Mais on va considérer ces lois qui non seulement ont été données à Israël, en fait c'est le contraire, c'est pour garder que ces lois ont été données seulement à Israël et pas aux non-juifs ou aux et aux autres peuples. Donc, vous savez, Noé, Dieu lui a dit dans Genèse 9:3, tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, si pour Noé, il n'y avait pas de distinction entre pur, d'animaux purs et impurs, pourquoi tout à coup il y a ça maintenant? Bien, à côté de l'argument de l'hygiène, d'autres ont amené un élément de culte en disant que ces animaux servaient dans l'adoration des gens qui n'étaient pas israélites, donc des peuples se servaient de ça. Mais encore là, même si c'est vrai pour certains animaux qui sont dans la liste de ce que les nations se servaient pour adorer, ben il y a aussi, par exemple, le taureau. Mais le taureau, il avait le droit d'en manger, l'Israélite, donc voyez-vous, ça ne peut pas non plus répondre. En fait, si on regarde comme faux, c'est que ces lois-là, le but de ces lois-là, c'était de faire que les Israélites soient différents de leurs voisins, les Cananéens, qui eux autres mangeaient de n'importe quoi. Donc, ils ne pouvaient pas avoir une relation très proche jusqu'à manger avec, parce qu'ils n'avaient pas le droit de manger les mêmes choses qu'eux. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que les Israélites devaient se séparer, pas parce qu'ils sont mieux, mais parce qu'ils sont exactement de la même genre que les autres personnes, mais en mangeant différemment, ils n'ont pas à être amis avec eux dans le sens, oui, ils faisaient des affaires peut-être ensemble, mais ils n'avaient pas une proche relation, une intimité avec eux jusqu'à manger avec eux. Donc, on voit... De toute façon, eux autres, ils ne laissaient pas non plus le sang. Il n'y avait pas la même utilisation du sang que ce que Dieu demande dans la Bible. Versets 33 à 35 de Lévitique 11. « Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. » Et toute boisson dont on a fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Et les mots ici sont assez forts, parce qu'on dit qu'ils doivent les briser en pièces. Le mot en hébreu, c'est le mot « savar », comme des choses faites en terre. Pourquoi? Parce que des urnes ou des plats faits en terre, c'est poreux. Donc, ça garde ce qui n'est pas bon dedans. Donc, il fallait les détruire complètement. C'est ce que Dieu dit, de les détruire en pièces. Donc, ça faisait que les Israélites ne pouvaient pas manger avec leurs voisins cananéens qui, eux autres, mangeaient dans des pots poreux comme ça. Donc, ils ne pouvaient pas manger dans ces pots-là. Ils devaient se séparer. Jésus leur a dit aux chefs religieux et aux gens qui questionnaient cette divinité. Il a dit dans Jean 8:23, « Vous êtes d'en bas.
Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Et nous devons imiter notre maître, notre grand Dieu Jésus. Donc, alors que nous sommes dans ce monde, la Bible nous dit de porter l'armure de Dieu dans Éphésiens 6, afin de vivre dans ce monde, mais de pouvoir refléter la sainteté et la gloire de Dieu, donc de ne pas agir comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Jean 2,15 nous dit, justement à ce sujet, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc, ici, l'expression d'aimer le monde, ça veut dire de partager les choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est ça que Dieu veut pas qu'on soit comme ça. Alors, on ne se sépare pas du monde, on ne déteste pas le monde, mais nous sommes différents d'eux. Jésus a bien dit dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. » Qu'est-ce qu'est Mammon? Mammon, c'est un mot araméen qui voulait dire richesse, les richesses injustes de ce monde que Jésus a appelé, qui rouillent et qui pourrissent, contrairement à les richesses dans les cieux que nous devons investir là-dedans. Donc, on voit vraiment, c'est ça qui est la leçon derrière cette partie de cette explication au sujet de la séparation entre le monde et nous. Mais à côté de cette différence, on peut apprendre encore plus en regardant les animaux qui sont défendus. On va voir des choses communes entre cette pensée que nous venons de dire, justement, de la séparation. Donc, on voit que il y a des différences entre les animaux. Par exemple, il nous est dit de ne pas manger des animaux qui marchent sur leur ventre. Ça nous rappelle ce qui a été dit au serpent dans Genèse 3, 14, où Dieu a dit comme condamnation au serpent, « Tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie. » Donc, ça regarde la partie qui parle des reptiles dans notre texte. Maintenant, en obéissant à ces lois, chaque jour, l'idée de la séparation, en fait, comme la Bible nous dit, de notre sanctification, d'être différent. Et il y a un dénominateur commun entre la façon que c'est écrit dans le texte, si un animal est cochère, est correct et non. Verset 3 du chapitre 11, qui est répété dans le chapitre aussi. « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. » C'est répété 7 fois dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce mot-là? Le mot « la corne fendue », le mot « fendu » en hébreu, c'est le mot « paras », qui veut dire « de diviser », »,« de séparer ». Donc, c'est ce qui est séparé, qui veut dire un peu, c'est utilisé aussi quand on dit qu'on divise le pain en deux, on le brise en deux. Donc, on a encore l'idée ici de la séparation derrière cette loi-là. Il y a une autre idée qui vient, c'est l'idée du mouvement, en opposition avec la stagnation, avec quelque chose qui ne bouge pas. Par exemple, si on regarde dans le choix des poissons, la seule différence que nous voyons ici entre les poissons qui peuvent être mangés et pas mangés, c'est ceux qui ont des nageoires et des écailles. Donc, c'est ceux qui ont des nageoires et des écailles, ils peuvent s'approcher de la source d'oxygène qui est en haut de l'eau. Voyez-vous, on va regarder dans le texte, verset 10. « Mais vous aurez en abomination tous les poissons qui n'ont pas des nageoires et des écailles. » Donc, comment on peut encore expliquer ça? Mais si on regarde, c'est que c'est les animaux qui ont des nageoires et des écailles peuvent bouger dans l'eau. Ils s'en vont en haut, ils s'en vont en bas, s'approchent de l'oxygène, comme on a dit.
Il y a un monsieur qu'on connaît qui s'appelle Charles Ryrie qui a dit « On ne peut pas vaincre ce qui est stagnant seulement qu'en persévérant, car il n'existe pas sur terre une telle chose qu'un croyant parfaitement accompli. » Donc, il voulait donner l'image que ce qui est stagnant, quand on bouge pas, c'est là que c'est dangereux. D'être stagnant, c'est l'ennemi mortel de la moralité. Donc, faut bouger. Faut bouger par en avant. Faut bouger pour le Seigneur. Et on va voir maintenant les insectes. Verset 23. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Donc, on voit qu'avant ça, on parle d'un autre animal que lui, j'ai pas le mot en français, désolé, c'est le cricket en anglais. Et lui, on pouvait en manger. Pourquoi? Parce que lui, il pouvait sauter. Mais tous les animaux qui ne pouvaient pas sauter, même s'ils ont des pattes ou quatre pattes, ou qui volent, mais eux autres sont pas en mouvement. Donc, heureusement que le criquet, en fait, c'est comme des sauterelles. C'est ça le mot, parce qu'on voit que, heureusement, parce que Jean-Baptiste, c'est ce qu'il mangeait. On sait que dans la Bible, on est dit que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles et du miel, et c'était seulement la base de ce qu'il mangeait. Donc, on voit que c'était correct. En passant, le miel, c'est un aliment cochère, mais pas l'abeille. Donc, c'est curieux, mais c'est comme ça. On voit aussi que dans ce texte-là, on voit encore le mot qu'on a vu dans les études précédentes, le mot « rola », qui était pour l'Holocauste, qui est une agréable odeur à l'Éternel. Et donc, c'est pour Dieu, ces animaux-là qu'il a choisis sont une odeur agréable pour l'Éternel. Si nous regardons maintenant la Lévitique 11, 45, pourquoi faire tout ça? C'est pour refléter la sainteté et la gloire de Dieu. 11, 45, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Donc le Seigneur leur a demandé de se séparer des Égyptiens et leur a demandé d'être saints comme lui est saint, de tout faire pour s'approcher de Dieu de cette façon. Donc on voit que l'idée était toujours que pour s'approcher de Dieu, il faut être saint, viser à être saint. Le reste des lois sont pas mal du même genre. Non seulement ils nous rappellent que nous devons agir de façon correcte envers Dieu, tout en demeurant correct avec les gens autour de nous, mais pour s'approcher de Dieu, il y a une façon. On peut pas faire ça n'importe comment. Parce que Dieu dit « Je suis le Créateur ». Et pour s'approcher de lui, il nous demande d'agir de façon différente. Maintenant, on a juste un peu assez de temps pour regarder le chapitre 12, qui verset 8. Encore, il nous est parlé de certaines lois, mais c'est pas toujours écrit pourquoi. Donc, on voit que c'est la loi de la femme de donner naissance, de la femme qui accouche. Après avoir accouché, il y avait une loi sur la pureté de la femme pour se purifier. Et vous savez que comme dans Genèse 3:15, Dieu a déjà dit qu'il, à travers la postérité de la femme, qu'il amènerait le Messie. Donc, il y a une idée aussi là-dedans par rapport à la naissance. C'est comme et quand la femme donne naissance à un enfant. Si nous regardons dans Luc 2, versets 22 à 24, ce qui a été dit au sujet de la mère de Jésus. Et quand les jours de sa purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Ce sont les derniers mots à peu près du texte de Lévitique 12:8, où il est dit dans Lévitique 12:8,
on voit que Jésus venait d'une famille très pauvre. Voyez ce que le verset dit. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Ce verset-là nous dit que Jésus, qui vient d'une famille très pauvre, comme il a été prophétisé par Ésaïe, Ésaïe 11, verset 1, qui dit « Mais un rejeton sortira du trône d'Isaïe, le père de David, et un rameau naîtra de ses racines et portera du fruit. » Donc, ici, on voit que un rejeton, c'est en hébreu, ça veut dire réellement un enfant qui vient de naître. Et le mot qui suit « rameau », c'est comme une branche, une tige, une petite tige qui sort. Et on voit là l'humilité, on voit comment Jésus est né, on a déjà vu ça. Donc, quand Jésus est venu, il venait d'une famille très pauvre qui a amené justement deux tourterelles ou deux pigeons. Donc, l'Holocauste, c'était pour Myriam, qui est le vrai nom hébreu de Marie, mais c'était pour un sacrifice se dédier à Dieu et de remercier Dieu. Et de la même façon qu'il faut suivre la loi, Jésus lui-même a dit, lorsque Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser, il disait, ben non, c'est toi le Messie. Jésus lui a dit quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui a plus résisté. Matthieu 3, verset 15. Pardon. Donc, Myriam et Yosef, Marie et Jésus, ont fait exactement ce que la loi dit. Maintenant, il y a quelque chose qui dérange beaucoup de monde, et on va essayer de trouver une explication, même si c'est pas 100% clair. Quand une femme avait un enfant mâle, la Bible dit de se purifier, d'être séparée de tout le monde pendant 40 jours. Et si c'était une fille, pendant 80 jours. Pourquoi? Plusieurs ont dit, ah, ben ça c'est pas juste, c'est des règlements, Dieu est toujours différent des femmes, il traite les femmes différent des hommes. Mais ce qu'on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, c'est un peu comme s'il met la femme sur un piédestal, il la protège, on dirait, encore plus. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut regarder vraiment pourquoi ces textes-là ont été dits et pas juste écouter ce que les gens disent sur quelque chose qui semble injuste au premier abord. Mais, si on regarde, c'est que il devait à ce moment-là, quand la femme se séparait, comme ça, c'est un peu comme aujourd'hui, on a des choses prénataux, donc la femme arrête de travailler, c'est un peu le même principe, mais c'était encore beaucoup mieux, c'est que dans ce temps-là, la femme devait être à côté, être séparée des autres, purifiée, et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle restait avec son enfant tout le temps, avec elle. Voyez-vous? Donc, elle n'était pas dérangée par toutes sortes de choses. C'était comme un peu pour donner un congé, un break à la femme qui venait d'accoucher. Et si on regarde, pour faire un lien avec, vous savez, on parle souvent de la femme vertueuse dans le Proverbe 31. Et quand on décrit cette femme, on voit les versets 13 à 15, verset Proverbe 31. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. L'esprit la compare même à un navire marchand. Pas n'importe quel navire marchand, mais qui amène le pain de loin, donc qui travaille fort. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, probablement que son mari est en train de dormir. On nous dit aussi qu'elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Et elle c'est une femme d'affaires, elle pense à un champ, elle l'acquiert, elle l'achète du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et elle ceint de force serrée, elle a fermé ses bras. Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Donc, cette femme, elle a besoin d'un break. Donc, on voit que maintenant, c'est on peut avoir un congé. Donc, on peut pas... on voit en résumé que ces lois servent à nous voir comment Dieu veut qu'on s'approche de lui pour refléter sa gloire et sa sainteté. Alors, sur ce, prions. To God on high, He is blessed and is to be blessed. For no one is like you, Lord, for you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord our God, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases in our faith, our faithfulness.
Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham and you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart in order to treat you as holy and to glorify you to the people, as you spoke to Moses. For all these things, Lord, we praise you and we thank you that you reveal your feelings and emotion to us, your creation. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.